Le comité organisateur du concours Ovation Vaudreuil-Soulanges s'est réuni chez Conteneur Expert SD le 21 avril pour donner le coup d'envoi à l'édition 2016. Parmi les nouveautés cette année, la soirée de gala sera présentée en formule réinventée au théâtre Paul-Émile Meloche à Vaudreuil-Dorion. En fait, la formule va changer aussi. Ça va être en soirée. Ça va être une soirée remise de prix à l'auditorium, donc formule théâtre. Et puis, on va faire un petit after party. On va avoir un cocktail avant aussi. Donc, les gens ne seront pas déçus, mais on va pouvoir en accueillir un peu plus. Certaines catégories ont également été repensées. Par exemple, une catégorie agroalimentaire a été ajoutée. Bien, je vous dirais qu'à chaque année, on s'adapte un peu avec les entreprises de la région. Agroalimentaire aussi, c'est une catégorie qu'on veut mettre de l'avant. C'est très représentatif du territoire de Vaudreuil-Soulanges. Donc, on y va avec aussi qu'est-ce qu'on a dans la région. On s'adapte. Donc, les catégories, à chaque année, on va revamper si on veut. En 2015, l'équipe de Conteneur Expert SD a mis la main sur le trophée Ovation de l'année. Pierre-Jean Savard, copropriétaire, encourage les entrepreneurs à prendre part à l'aventure. Ça a été très positif pour nous. Ça a été une belle visibilité dans la région, vraiment. On veut juste se faire connaître. C'est sûr que tout le monde veut qu'on connaisse l'entreprise, mais il n'y a pas un meilleur moyen que Ovation pour faire ça, dans le fond. Pour connaître le détail des 12 catégories, pour soumettre sa candidature ou pour se procurer des billets, consultez le site web au bas de l'écran. C'était Yannick Michaud à Vaudreuil-Dorion pour vaudreuilsoulanges.tv.